Me voici au-dessus de Mont-Sapé en direction de Lieu-Levé. Et là, je vais monter tout là-haut au mont Bellachat. Alors, je ne sais pas encore par où ça passe, je verrai bien. Et je ne sais pas encore si ça peut traverser par là, je verrai aussi pour redescendre différemment. Après le parking de Lieu-Levé ou Tiou-Levé, on a le choix. On peut poursuivre un petit peu par le chemin rural jusqu'au parking des Rouelles. Juste après le parking, suivre Bellachat. Puis immédiatement après, col de Basmont. Alors, il est tout là-haut le col, à droite des deux pylônes. En cette saison humide, la montée de l'alpage plein de bouse n'est pas toujours très agréable. Mais le sentier est facile à suivre et on arrive au col de Bamont avec ses moches pylônes. Et là, on va poursuivre sur la crête. Je ne suis pas le seul à avoir fait l'ascension aujourd'hui. Les ruminants sont bien par là aussi. Comme quoi, ils montent jusqu'au col. Hein. Voir qu'elles sont bien là. Hein. Là-haut, c'est le Grand Arc. Un petit peu plus loin, il y a un petit collet au-dessus d'une ravine. Et le sentier continue à flanc en direction du col de l'Arc. Ouais, c'est toujours un petit GR. Je n'ai pas retrouvé le sentier qui monte direct au mont Bellachat et du coup après une longue traversée sur le versant tarentaise on va dire, je suis arrivé au col de l'Arc et je vais prendre direction mont Bellachat par ici donc. Très belle montée dans une très jolie combe et là juste avant d'arriver sur l'arête, on arrive dans un endroit très sympathique pour ceux qui voudraient camper ou pique-niquer. C'est très joli ici, avec tous ces rochers. Tiens, il y aurait bien la pointe percée là-bas au bout. Cette grimpette vers le mont Bellachat est superbe. On débouche sur un petit col sur l'autre versant. C'est très beau ici la crête. Il y a un vent très froid, je ne vais pas m'attarder là. C'est très joli la vue autour du mont Bellachat. Très jolie arête là. Puis là, on a un petit paysage de flaques. C'est sympathique. Là-bas, ça va vers la pointe de Marmotte Noire.
Je sais pas si on voit bien le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est la folie là. Alors versant Maurienne, faut pas y mettre le nez. Alors que versant Tarentaise, c'est très calme, soleil. Le Mont Blanc, évidemment, là-bas. Et tous les grands massifs alpins. Chartreuse et le Granier tout au bout. Et bien depuis le col de l'Arc tout en bas, on peut dire qu'il y a une belle grimpette. Mais c'est vraiment superbe, hein. Vaut le coup d'être faite. Je vais essayer de redescendre pour une fois par un chemin un peu normal, parce qu'il est déjà un peu tard. Juste avant le petit col, il faut descendre sur la gauche. Il ne faut pas descendre tout de suite dans l'alpage. Il faut suivre l'arête. Alors au début, un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Alors, ça passe facilement. S'il y a un passage délicat, c'est pas normal. Et ensuite, lorsqu'on arrive à un passage où ça devient difficile, il faut revenir un peu sur ses pas et passer en dessous de l'arête un peu plus loin. Voilà, quand on a évité les petites barres là, on peut se diriger vers le bas. Alors les indications, les chemins, les cartes, tout est assez farfelu dans le coin. Essayer de ne pas repasser au col de Bamont, parce qu'apparemment en suivant la crête on y arrive. Je vais essayer de descendre cette combe où normalement il y a un sentier. Alors effectivement ça descend tout droit, donc faut faire attention s'il a plu et si c'est glissant, hein. Et il y a un vieux balisage jaune tout pourri, donc je vais essayer de continuer à descendre. Il faut descendre vers la gauche de la combe en descendant pour retrouver un semblant de sentier. Plus bas, le sentier s'affirme un peu plus. Il descend toujours un petit peu vers la gauche. Le début de la descente dans l'alpage est très intéressant, c'est super à faire. Après, on retombe dans la même configuration que ce matin, c'est boueux, c'est bouseux. Et là, on arrive dans un alpage, donc on n'est pas encore en bas, c'est la grande combe ici. On retrouve un peu des panneaux civilisés, mais pour la montée, c'est pratique,
Mais quand on veut descendre de là-haut, on ne sait pas. Il faut traverser l'alpage. Avant de redescendre donc vers où on est garé, le pont des Rouelles. Si j'avais eu le temps, j'aurais traversé toute la crête jusqu'à la Marmotte Noire et je serais redescendu par la Perrière. Voilà, on n'est pas loin d'être arrivé là. Il y a un gros sentier, alors attention, c'est très glissant. Alors vu que c'est beaucoup mieux fléché dans le sens de la montée, je conseille vivement de le faire dans ce sens-là. Monter par où je suis descendu et redescendre par où je suis monté. Voilà, le jour est en train de tomber. Et le ruisseau fait un boucan d'enfer, comme j'aime. Cette heure de la journée est vraiment agréable. Avec toutes les vaches dans les champs. Alors, dernier petit conseil pour cette randonnée qui est vraiment sublime, on voit des paysages extraordinaires, c'est de la faire quand c'est sec.